Chronoculture, nous sommes au centre-ville de La Rochelle, dans la rue du Port. Vous voyez la tour Saint-Nicolas majestueuse en face. Et dans cette rue du Port, nous vous invitons à venir flâner et à découvrir une nouvelle galerie qui propose une exposition d'un artiste que nous vous invitons à venir découvrir. La petite galerie ici, cet espace minuscule que certains connaissent peut-être déjà. Et dans cet espace minuscule, nous avons l'artiste Bergerac avec un K qui nous propose donc ses acryliques. Donc ce sera à partir, c'est en exclusivité sur Entre nos cultures, puisque nous avons été contactés par l'artiste qui souhaitait nous faire découvrir le lieu, les œuvres, et nous proposer d'en parler en exclusivité, en avant-première sur votre média. Donc Bergerac, cet artiste à découvrir, rue du Port, à La Rochelle. Et vous verrez un travail étonnant, très coloré, de l'acrylique, avec des portraits, des paysages, de l'abstraction, de l'inspiration rochelaise, de l'inspiration maritime. Et tout cela, c'est à découvrir à partir du 27 septembre, dans cette rue, cette petite rue du Port, qui est surtout connue pour ses petits restaurants, mais qui aujourd'hui possède donc cette galerie, cette petite galerie, en plein cœur de la ville. À partir donc du 27 septembre. Et je vous propose d'échanger quelques instants avec cet artiste. Alors Bergerac, bonjour. Bonjour. Alors ici, tu nous as fait l'honneur de nous offrir la première visite de la petite galerie pour une exposition qui commencera le 27 septembre. Alors tu seras présent à quels horaires ? De 10h à 19h. D'accord. En continu, sans interruption ? Normalement, non. D'accord. Alors, on découvre ton travail, qui est un travail tout à fait intéressant, très varié, d'inspiration diverse aussi, avec, je disais tout à l'heure, des paysages, d'inspiration de bateaux, de la ville de La Rochelle. Tu connais bien La Rochelle ? Ah, La Rochelle, je la connais depuis quelques années déjà. Une bonne petite vingtaine d'années. Alors pourquoi Bergerac avec un K ? À La Rochelle, c'est une provocation. Alors Bergerac avec un K, parce que Bergerac, déjà, c'est la ville de cœur, la deuxième ville de cœur après La Rochelle. Et puis, il fallait trouver un pseudonyme derrière mon petit nom. Donc Bergerac, c'était pas mal. Et avec un K, parce que c'est le K Bergerac. Okay. Alors, tu travailles à l'acrylique, essentiellement. Est-ce que tu utilises d'autres techniques ou c'est que de l'acrylique ? C'est que de l'acrylique. Comment tu procèdes ? Le pinceau se jette par hasard sur la toile et après ça file tout seul. Et après il y a une semaine de travail par toile, environ. Une semaine, ok. Est-ce que tu donnes des noms à tes toiles ? Quelques-uns. Par exemple, l'arbre multicolore qu'on voit au centre, ce serait l'arbre corail, pour lui donner un nom. D'accord, l'arbre corail. Je vais montrer ça de plus près. Effectivement, on voit bien ces couleurs corail. Alors moi, ce qui m'avait surpris aussi, c'est donc ces portraits, mais c'est également ces portraits des tours de La Rochelle, un peu déformés, c'est le soleil couchant. C'est ça. Est-ce que, voilà, là, c'est ta volonté de montrer ta vue de La Rochelle ? C'est ça. La Rochelle est vraiment une des sources premières de mon inspiration. Okay. Tu peux nous dire depuis combien de temps tu es ici ? Alors depuis à La Rochelle, je suis donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis plus de 20 ans et je peins depuis le premier jour du confinement. D'accord. Est-ce que ça a été un déclencheur pour toi alors ? Ah, c'était plus que ça. C'est-à-dire que pour raconter la petite histoire, mon fils Arthur m'offre deux toiles et après lui avoir présenté mes deux petites toiles, il me conseille de continuer et puis je remontre à d'autres personnes qui me disent que c'est pas mal et que je devrais continuer et j'ai continué.
D'accord, alors ça donne un résultat tout à fait, effectivement, étonnant, surprenant, de qualité quand on le connaît. Mais on va garder la surprise en fait. Donc venez découvrir Bergerac avec un K à la petite galerie. Tu nous donnes l'adresse exacte ? 3 rue du Port, en face de Ernest, en face du restaurant Via Roma. Très bien. N'hésitez pas, venez, mais pas avant le 27, ce ne sera pas ouvert avant, découvrir Bergerac avec un K qui nous a fait l'honneur de cette visite anticipée. On te remercie beaucoup pour cette demande et puis on espère que vous viendrez nombreux découvrir cet artiste. C'est un artiste de toute façon déjà et venez découvrir ses qualités. Tu veux dire un dernier mot pour faire venir les gens ? Ben venez. Eh ben, très bien, merci Bergerac. Voilà, je vais finir de faire le tour parce que y a tellement de choses à découvrir dans cette mini galerie. C'est vraiment toute petite, la petite galerie. Et n'hésitez pas, à partir du 27, vous avez entendu les horaires, vous avez tous les contacts, 3 rue du Port à La Rochelle. Ça peut être avant un apéritif, ça peut être après un repas. Ça peut être avant d'aller boire une petite bière, pourquoi pas, en discuter avec l'artiste. Et nous vous laissons sur ces quelques images de Bergerac avec un K.